Yo, salut tout le monde, je serai de retour en même temps que le retour justement de ma série présentation de la chaîne 2 que j'avais annoncé avant ma mise en stand-by de YouTube, je vais dire. Et maintenant, je suis de retour en force avec plein de nouvelles vidéos, plein de nouveaux tutos, etc. Toujours. Mais tout, vous connaissez déjà ce que j'ai fait, donc ça ne vous changera pas. Enfin, si, ça vous changera parce qu'il y aura plein de nouveaux trucs que je vais faire. Je vais reprendre Minecraft à fond pour le moment. Ça c'est déjà fait. C'est déjà prévu. Je vais bosser à fond sur Minecraft. Et les jeux, tout ça, etc. Je vais commencer à faire des jeux sur la PS3 et tout ça. Donc, ici, nous sommes de la série présentation de la chaîne 2. Que j'avais dit que je reprendrais très prochainement, mais j'ai dû faire une petite pause à cause des examens. Pardon, à cause des examens et de plein de trucs. J'ai eu des problèmes. Voilà. Donc, je vais mettre à l'honneur une chaîne. C'est la chaîne d'un ami à moi qui débute sur YouTube. Qui débute seulement sur YouTube, mais il a quand même déjà assez d'abonnés pour quelqu'un qui débute. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On va directement, voilà, sur sa chaîne. Donc sa chaîne s'appelle Donovan045. Voilà. Il a déjà plusieurs de vidéos que j'ai pu voir. Voilà, il a déjà assez de vidéos sur sa chaîne. En fait, c'est plusieurs amis qui font une chaîne YouTube. Et ils ont décidé de la faire ensemble en fait. Donc je vais vous passer leur dernière vidéo pour vous montrer ce que ça donne un peu sur leur vidéo. Regardez ici, ils ont déjà 19 abonnés, dont moi, parce que c'est un ami à moi. Et donc là, je vais vous passer une vidéo pour vous montrer ce qu'ils font. Ils vont faire des vidéos exclusivement sur Call of Duty en général. Pour l'instant, ils font plus du Black Ops 2 que j'ai pu voir. Mais ils vont faire sur le Call of Duty en général, d'après ce que je sais. Donc je vous passe la vidéo la plus récente, donc il y a 11h. C'est parti, on se retrouve après. Bon visionnage à vous tous. Bonjour à tous, voici une vidéo, un match du team en Meldon de chercher destruction. Alors c'est un meilleur moment, donc voici ce que j'ai fait pour avoir Charlie Pro Basket, moi et Rage Killer Curtis. Donc nous trois dans la même vidéo, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous plaira. Car c'est notre premier match de team depuis qu'on a la chaîne. Alors mesdames et messieurs, j'espère que ça vous plaît le système qu'on a dû. Quand on a mal du team, alors voici mon meilleur moment. Ça commence directement, donc je laisse le truc là en dessous. Là, vous montrez là que c'est dans la 045. Alors, premièrement, j'ai déjà la doublette ici. Regardez. Sniper, donc balista. Alors, deuxièmement, enfin là, non, on passe directement à la troisième. Vous pouvez regarder là, hein, parce que c'est un montage. C'est la règle du sniping, donc voilà, 3-0. Processeur balistique avec chargeur de grande capacité. C'est des meilleurs moments, je le dis carrément. Directement là, c'est 4-2. C'est le premier assist, hein, donc il reste deux manches pour moi. Et puis on reviendra à la même part pour
Là, je te remets ça, ça sous la suite de cette vidéo. Et je vais faire un petit bruit pour que ça soit séparément. Comme ça, ça serait bien. Ça, vous voyez assez bien. J'espère qu'elle vous fera le score ou sera à la fin de la partie ou là. Donc, de toute façon, le score, vous verrez tout le temps. Alors, elle a été couchée à terre. Donc, j'étais tout seul au point des 3. Et là, il ne reste plus qu'un, les gars. Hop. Et voilà, voilà. Vous voyez déjà le score. Donc, voilà. Alors, merci à vous. Voici mon meilleur moment. Alors, on va passer directement à celui de Charlie Pro. Voici le meilleur moment de Charlie. Voici Charlie Pro Basket. Vous pouvez voir là. Alors, ici. Alors, je. C'est Charlie Pro Basket qui joue là. Et c'est un match de team contre toujours la team over. Mais à la deuxième manche sur leur map de team. Enfin, sur la nôtre. Parce que nous, c'est Meldog, nous, c'est Standoff. Et voilà. Ça, c'est les meilleurs moments de Charlie. Bah voilà, c'est déjà fini les meilleurs moments de Charlie. Donc, il a pas fait une très bonne part. Hein. Voici son score 6-0 et il n'y a que là. Je suis navré, mais il n'y a que là ce meilleur moment. Donc voilà. Alors, j'espère que son meilleur moment vous a très plu. Merci à vous. On va passer au. Voici le meilleur moment de Rashbjörn Curtis. Alors, déjà un kill là pour les annonces. Alors, ça va très vite hein, pour eux. C'est les règles du sniping là, je vous rappelle. Donc, les arcscopes sont autorisés, mais nous on fait pas trop ça. Donc, bravo, agent. Préparez-vous pour la suite. Alors, team over pas très fort là, mais voilà. Les meilleurs moments sont terminés. Voici victoire 6-5. Donc, je n'ai pas menti. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo des matchs de team gagnés. On mettra aussi les perdants, on met tous nos matchs de team sur cette chaîne. Comme ça, on peut pas dire qu'on met que notre victoire. Ah, c'était Rashbjörn Curtis. Donc, voilà. Donovan, moi j'ai fait du 17, Charlie 6-7 et Curtis du 6-9, mais il était pas enfin. Sa partie est mieux sur Standoff. Là, ça c'était la première partie du match de team donc sur notre map. Team over. Voilà. Alors, merci à vous d'avoir regardé cette deuxième partie. On entame directement la deuxième partie. Merci à vous. Voici la deuxième partie sur Standoff. Regardez pas la durée ici. C'est la durée du meilleur moment de Charlie Pro Basket parce que c'est le plus long. Alors, voilà. Petit arscope de Charlie. Ça, c'est du Charlie. Alors, ici, et voilà. Durant ce match de team, là, c'est la deuxième partie. J'espère qu'elle vous plaira. On a gagné le même score pour vous dire 6-5. C'était 5-5. Petit arscope. Bah, ils ont fait ça aussi. Hein. Moi, on m'a arscope pendant. On m'a beaucoup arscope sur Standoff. Alors, Charlie s'est dit alors, on va arscope aussi. Et voilà, c'est fini. On stoppe le dernier moment avec ça. Voilà, le score final 6-5. Et voilà, on va passer à notre meilleur moment. Celui de. Donovan 045, donc moi. Me voici maintenant mon meilleur moment. Donc ça démarre par une doublette, bien sûr, comme d'hab. Ici, un petit peu de chance. Il était nul. Bon, belle. Et voilà. Je suis mort. Voilà. Alors, j'espère que vous aimez bien ma façon de jouer. Maintenant, moi, j'aimais la mienne. Et je gère aussi bien.
Alors là, je pose. Et je me fais tuer. Voilà. Et je repose parce que c'est une autre manche. Hein. C'est une autre manche. Hein. Et voilà. Moi, j'aime bien mettre mes poules. Je sais pas pourquoi, ça ressort. Et voilà, je me suis fait tuer. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma mort, voilà. Alors, voici. C'est fini. Victoire 6-5, comme d'hab. Merci d'avoir regardé cette deuxième partie avec nous. La vidéo aura duré 8 minutes. Non, allez. 7 minutes 30, on va dire. Merci à vous. Et abonnez-vous. Et merci à vous. Spécialement dédié au Call of Duty. Alors, team, à ce que je vois, j'avoue, ce sont de très bons joueurs. Et je vais essayer de faire plusieurs vidéos avec eux, plusieurs matchs, faire match de team avec eux, essayer de faire plusieurs vidéos sur Call of Duty avec eux, comme je vois qu'ils font en général sur Call of Duty. On va essayer de faire une partie. Je vais leur demander si c'est leur tente, une partie en zombie sur la nouvelle map Buried, que tout le monde connaît à mon avis. Donc voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous voulez s'abonner à sa chaîne, sa chaîne sera dans la description. Je mettrai le lien de sa chaîne et de la mienne. Donc abonnez-vous si vous aimez ce qu'ils font. Moi en tout cas j'adore ce qu'ils font. Ils sont très forts à Call of Duty. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À plus tout le monde. Bye. Peace. Et en passant, n'oublie pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un petit commentaire et un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Allez, je le redis encore une fois pour le plaisir. À plus tout le monde. Bye. Peace.